there's a fire, burn the fire brigade. Help our souls tonight, we are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Yo tout le monde, c'est Jérém Jim, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur le compte de Proto, voilà, pour un tirage économisé, voilà, de 13 000 gemmes. Il n'était pas sûr qu'il y avait assez de gemmes, mais il y en a largement assez. On va commencer tout de suite par le tirage gratuit. Il lui faut déjà principalement Golem. Non, bon, on n'a pas eu Golem là-dedans, donc on va faire un petit tour dans ce qu'il a. Bon, il y a déjà la bonne base, voilà. Les 6 premiers sont une bonne base, même pas les, ouais, les 8, 9. Ouais, bon. Il y a une base plutôt correcte. Il a Medusia avec de la guerre, bon c'est pas le mieux, c'est Revita pour elle, mais ça reste cool. Il a Sirenia et Dompteur pour les archidémons, principalement le démoniste pour les GDG. Bon, ça va, il est plutôt correct. On peut faire mieux, espérons avoir mieux. J'ai fait de la place dans l'entrepôt, il en avait déjà fait. Hein. Au passage, j'ai encore mis des écussons en droite à gauche pour avoir un max. Et on y croit. Allez. Oh, crève-cœur. Oh, qu'est-ce que j'adore démarrer une vidéo par un légendaire. Ok, crève-cœur, il me semblait pas l'avoir vu. Elle est très bien, alors avec Revita ou Dieu de la guerre, voilà. Tant qu'à faire, moi je serais plus partisan du Revita, voilà. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre, c'est l'idéal. Bon, tu verras bien ce que t'auras. Oh, bon, démoniste, bon, en attendant pour ses doublons et évolutions, c'est cool. Mais Golem, voilà. Oh, double vert, ça fait mal aux yeux ça. Mais Golem, voilà, une petite base. Diaboluc. Ok, ça c'est du lourd, il en aura besoin. Sirenia, ok. Bon là, ce qui est l'avantage avec ce genre de compte, c'est que pas mal de cartes sont utiles, mais Golem quoi. Voilà, Golem c'est un peu la base. Bon, certains l'ont eu super tard. Père Noël. Non, à mon avis, Paladin. Non. Paladin, pimpin. Ouais, non, ça, j'y suis toujours pas. Allez là. Allez, Golem ou Onubis carrément. Cupid. Bon, je sais pas où il en est dans les cartes, mais c'est toujours un très bon héros. Valable dans beaucoup de modes. Allez, 3600 gemmes. Bon, pour l'instant, on a eu pas mal de légendaires. On a des récompenses. Oh, triple chaman, c'était Atlanticor. Non. Il n'y a plus qu'un archidémon, on a besoin de lui. Sinon, bon. Quand à la limite, en champ de bataille, tu le mets devant avec un ressuscité. Ça peut faire ses dégâts. Paladin, mais non, pas encore. Oh là là! Dommage. Dommage, c'était le double légendaire qui faisait bien mal aux yeux. Grizzly Faucheur, non par contre ça va ne lui servir à rien, goutte de cristal non plus. Dommage, oh il a jamais pris un seul gemme. On est dans du total free to play les gars. Coffre trésor, est-ce que tu l'avais vu le coffre trésor? Allons voir tout de suite, allons voir, allez. On y va tous ensemble. Coffre trésor, non tu ne l'avais pas vu. Donc voilà, ça te fait un coffre et 250 mérites comme moi, ça c'est plutôt naze, dommage. Bon même si à ton niveau je pense que tu n'es pas blindé en mérite. Ce sera déjà ça, au pire. Allez, tung. Ok, oh, 88 crédits quand même, ça fait pas mal. Hein. On va continuer un petit peu, on va lui laisser 800 gemmes. Touloulou. Où est-ce qu'on en est là? Il est une carte de talent de côté. Ouh, le bélier, bon, c'était cool, il en avait pas trop. Le cupid, si, carrément. Sirenia, il a tout juste le compte qu'il faut. Démoniste, c'est pas mal. Crève-cœur, c'est sa première crève-cœur. Crève-cœur, là, on est bien, là. Qu'est-ce qu'on a eu Atlanticor? Ouais, non, Atlanticor, il en a en masse. Bon, lui aussi, hein, j'imagine. Ok. Allez, on y croit. Il y a quand même pas mal de légendaires hein, qui sont tombés. Mais je suis pas sûr que ça va l'aider suffisamment. Allez, là. Oh là 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 là. Triple goutte de cristal. Non. Et un dernier. Par contre, on va pas aller plus loin. Oh, dommage. Est-ce qu'on va plus loin quand même ou pas? Non, on va pas le laisser plus loin si jamais il a des écussons à prendre dans le royaume perdu ou autres qui sont bien du genre Revita. Ça sera compliqué. Ah mince, dommage, on n'a pas eu de Golem. On a eu des héros utiles. Bah, rien de fou, malheureusement. On va sortir la Rose, on va se faire plaisir. Rose, il l'avait pas, hein, que je me rassure. Non, Rose, crève-cœur. Ouais, là, j'aurais pété de joie pour lui sinon. Crève-cœur. Alors, t'es venu avec quoi? T'es venu avec Revita 5? Dis-nous, fais-nous plaisir. Hop là. Rose, non, t'es venu avec un sprint qui sert à rien. Héros de Hob qui est à côté, ça va pas servir non plus. Bon, je vais lui laisser sa carte, hein, je vais pas l'utiliser. Donc voilà, si jamais c'est un très bon héros. On le voit hein, dans les duels d'escouade, Crève-Cœur est souvent utilisé et remporte souvent la partie. Voilà, avec Dieu de la Guerre et Revita. Elle fait super mal.
Bon bah écoute, désolé, hein, j'aurais pas eu le Tréhantor, il y aurait eu Crève-Cœur qui reste un héros sympa et des doublons utiles. Voilà pour le Diabolique aussi, oh, je sais pas où t'en étais avec le Diabolique, mais pour son niveau ce sera peut-être sympa. Diabolique, deux cartes, bon bah écoute, c'est toujours ça de prix. Voilà, en tout cas, bon au niveau, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, pour ta base elle est bien là, surtout on est en mode GDG là, c'est cool. Et niveau des vagues, t'en es à de la... Ah, purée, bien. Bien, bien, bien. GG, continue comme ça, lâche rien. Et puis, ben, et puis bon courage. Les bases 21, hésite pas à monter tes bases. Hein. Les bases sont très pratiques. Ah ouais, t'es déjà parti sur les coffres au niveau max. Ouais, ouais, les bases donnent beaucoup. Hein. Bon là, c'est vrai que c'est que 1%, mais bon, c'est déjà ça. Mais bon, t'as fait le max. Au moins, ils sont niveau 20, 21, c'est déjà l'idéal. Voilà, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se dit à très vite pour une prochaine. Allez, tchuss!